Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le dernier sorti journal mi-temps journée pour semaine ça. Et rapidement, on a rejoint un collaborateur, Wilner Polidor, pour conditions d'un. Bonsoir, Wilner. Bonsoir tout le monde, merci pour fidélité. On a voir comment la situation météorologique là est sous région Caraïbes là, en tropicale qui était activité la pluie hier soir sous certains départements commencé éloigné de pays d'Haïti et le commencé faire place avec un masière qui plus ou moins stable sous pays là. Et c'est pour ça jeudi on a partagé avec un temps qui ensoleillé avec bel soleil sur majorité département yo, sauf que en soirée au cours de nuit là il y a quelques petites pluies convectives qui étaient possibles mais dans l'ensemble pour pays d'Haïti. Pour jeudi, c'est un temps cap gain soleil avec vent cap venté avec quelques petites gouttes la pluie en soirée. Et n'a bon week-end aussi cap très stable. Samedi et dimanche, c'est bel soleil avec vent cap venté sous pays d'Haïti. Pour capitale là avec zone qui environne l'eau, encore n'a bien un temps qui clément avec soleil et vent sous capitale avec zone qui environne l'eau. Mais en soirée, sous mon nacelle avec au sud ou au sud-ouest de capitale avec zone qui environne l'eau, il y a une possibilité pour gagner quelques averses isolé en soirée, mais c'est vraiment très très isolé sur quelques quartiers. Et n'a pas température à la hausse jusqu'à 35 degrés pour aujourd'hui et la descente 24 degrés au cours de nuit. Cela veut dire que n'a pas senti effet de chaleur non seulement au cours de journée, mais en soirée. Et pour capitale là, pour samedi et dimanche, n'a pas un beau temps, sauf que toujours une possibilité pour gagner quelques petits gouttes de pluie en soirée sous capitale là avec zone qui a envie où on est lieu. La mer n'a pas gagné trop de soucis, capitaine est capable de naviguer seulement fort. Éviter le large par rapport avec zone de haute pression qui renforce soit l'Atlantique Nord. Il faut faire attention parce que vent capable très fort au large et pour cela, il faut éviter de rentrer dans le fond de la mer. Mais près des côtes, il n'y a pas de souci pour être capable de naviguer parce que la mer là peut agiter sous zone côte nous. Et pour page astronomique, là, sur la pleuve jeudi à coucher jeudi à 6h23 minutes et la lever de matin à 6h45. Minutes. Merci pour fidélité avec attention. N'a pas croisé lundi pour l'autre page météo. Bonne fin de journée, bonne soirée à chacun de vous. Bon week-end tout le monde. Procès Petro-Caribéa a fait ses déclarations président République là, Jovenel Moïse. Dans le moment, il a participé à la commémoration 212e l'année assassinat empereur Jacques Ier dans la commune Marchand-Dessalines, à mercredi 17 octobre. Une fois encore, chef de l'État a garanti l'administration à travail pour combattre le phénomène de corruption sans passe-pouki et sans méchanceté publique. Il y a un extrait dans le micro Sabine Jean-Étienne et Jean-Marie Duvernay. Bataille contre corruption, ça, c'est l'inouman de jodi. C'est pour bataille. Pour nèg ap mettre gros code dehors, lè ou fin mettre gros code dehors, et puis pour cacher bagarre en batable. Procès Petro-Caribéa, procès lutte contre corruption, pas passer dans coup procès consolidation. Côté trois moun qui étaient coupables, yo tous les trois devin président d'Haïti. Il pas passer comme ça. Procès ça, branchage. La fête, Jean Sadoué fête, président de la République, chef de l'État, branchage. La fête, procès à Ahmed. Pas de monde qui a venu camper pour lever frame et chaîne dans le quartier populaire qui pour aller travailler pour vous, pour casser feuille, couvrir ça. Tout le monde qui démange l'argent, l'État, dans mauvaises conditions, c'est pour venir rendre. Parce que comme l'État, nous avons besoin aujourd'hui. Bataille contre corruption, c'est le seul moyen nous gagner pour le pays d'Haïti pour une autre direction. Nous t'aimer aider, pas aider route, lutte contre corruption, bataille pour l'argent, l'État pas faire route crochue, c'est lui qui amène nous sur route développement, route changement, parce que frère nous, amis nous dans la communauté internationale là, leur pari pour aider nous, premier ça est toujours garder qui ça nous mêmes nous a fait pour tête. Nous tous nous sommes frères Axel. Nous devons chiter plus sur ce qui est nous. Au
lieu nous étions sur ça qui divisait nous. C'est pas étranger, c'est pas l'armée dans l'autre pays qui devine tout des années. C'est un petit groupe de monde qui toujours passe intérêt tout le monde en bas pied au profit des intérêts personnels. C'est un petit groupe de monde, je nous vois dans les affaires Petro-Caribé, ils sont sortis pour ramasser pour le peuple là-bas, jeune justice, PM, Bablier, projet, nek qui est comme dans le gros l'argent, comment c'est rentrer Timon et peuple là-bas, PM, dit l'argent. Yo même, c'est un petit groupe de monde ça, qui a intérêt personnel. C'est eux qui détouillé des salines. Pas oublier pour te map songer. Nous pas quitter personne qui est rêve nous aujourd'hui. Rêve pour nous construire route dans le pays. Rêve pour nous éclairer 146 communes dans le pays. Rêve pour nous mettre système solaire pour électrifier 1 100 000 familles qui vivent dans la section communale. Rêve pour nous construire barrage irrigation pour nous user terre côté ces barragons qui lever. Député circonscription Kenskofla, Alfredo Antoine, mandé tout le monde qui était comptable dernier public dans la gestion Fonds Petro-Caribéa, qui fait partie administration ça, avec ancienne administration, pour mettre à la disposition la justice pour permettre les mieux faits sous dossier. Plus d'explications dans le micro, Colo Elisère, avec Fresnel Toussaint. En ce qui a trait avec la manifestation qui était lancée hier là, c'est surtout des jeunes que moi-même salue l'initiative ça, c'est une initiative citoyenne que en pile jeune qui conséquent dit que faut qu'il y ait lumière qui fait sous question Fonds Petro-Caribé. Donc nous féliciter eux. Et de l'autre monde qui infiltre manifestation pour gain de casse, c'est ça que nous-mêmes nous condamnons. Parce que ils étaient toujours mentionné que c'est une manifestation pacifique. De l'autre monde qui voulait rentrer dans la manifestation, et nous et d'autres secteurs politiques qui voulaient rapatrier, nous avons dit que là, pas de ou libre, ni pouvoir, ni secteur de l'opposition, pas doué prendre un mouvement pour rapatrier, pour dire que ce mouvement pas eux. Son mouvement citoyen, et que pouvoir lui-même, lui gagne pour le tendre. Voix jeunes Sao, citoyens Sao qui prend la rue, qui a manifesté de la lumière qui fait sous question Fonds Petro-Caribé. Et nous demandons, moi, ouais, que le pouvoir exécutif et au niveau de la présidence, que moi suive, que le président mandé pour que tout le monde qui tape gérer fonds l'État mette au disponible pour la justice. Et moi, je vais aller plus loin pour me dire, quel que soit le monde qui était ordonnateur, qui était comptable de deniers publics au niveau et administration précédente, qui était exécuté, qui t'a exécuté budget ça, qui était gain fonds Petro-Caribé la donne, qui t'a signé une résolution à quelque niveau que ce soit, qu'on en palais national, qu'au niveau direction générale, qu'au niveau secrétaire d'État, faut qu'on démissionne automatique pour mettre disponible pour la justice et pour chef de gouvernement. Et Premier ministre Seyan bail avec l'administration judiciaire, le CSPJ, à travers le ministère de la Justice, moyen pour que juge d'instruction fait travail au commissaire gouvernement. Bail au moyen pour que vous menez enquête, et c'est la justice qui pral mener enquête, et que moun qui doit blanchir a blanchi, moun qui doit coupable, doit coupable. Et la Cour supérieure des comptes, plein de cadres, ok, de jeunes universitaires, question nous dit que n'a produit rapport nous au mois de janvier. Moi pense que c'est trop à tort. L'île pour que nous produit rapport nous pour que la justice lui-même capable de décider. Et nous la Cour supérieure des comptes pas à doué passer mois de novembre pour que rapport ça pas sorti sous gestion ancien comptable de deniers publics. Secrétaire d'État communication Eddie Jackson Alexis exprimé sympathie à tout le monde qui était victime dans la manifestation 17 octobre là, jour qui était marqué 212e commémoration l'an mort papa nation. Eddie Jackson Alexis félicité police nationale dans
gouvernement qui t'a assuré sécurité dans date 17 octobre là pendant les rappeler président république là a demandé chaque haïtien protéger souveraineté nationale là sécurité d'état fait qu'on est président mandé toute autorité dans l'état qui concerne dans dossier Petro Caribéa rester disponible la justice fait lumière sur dossier secrétaire d'état communication Eddie Jackson Alexis Tenamico Stéphanie Charles avec Frisnel tout ça. Président de la République, là, ensemble avec mon gouvernement, présente sympathie et solidarité à tout membre de la presse, parler, écrit, télévisé, en ligne, qui était en difficulté sur le parcours, sur le marchand pour venir pour Port-au-Prince, surtout dans le niveau CEMAC. Nous saluons le courage journaliste. Le gouvernement félicite la police nationale là, pour le travail et travail fait dans l'occasion journée 17 octobre là et pour travail il continue à faire dans la population ni j'ai comporté avant. Ne pas oublier personnel bureau secrétaire d'état sécurité publique là qui était protocolé dans l'exécution plan sécurité journée. Le gouvernement voye sympathie by tout le monde qui gen moun yo qui mouri, moun qui gen moun qui blessé ou soit qui subit choc psychologique. Jean ça toujours fait. Cérémonie officielle pour commémorer le jour 17 octobre là, a commencé dans Pont Rouge. C'est dans Pont Rouge nous connaissons, il a été assassiné Jean-Jacques Dessalines. Président et première dame, là, membre gouvernement et l'autre pouvoir dans l'État, l'idée pour respecter la tradition ça, de déposer un jet de fleurs dans le pied monument. Pendant la cérémonie, en pile disposition te prendre à niveau sécurité pour tout bagaille bien passé. Après, autorité au fin déplacé. Il y a un incident qui éclaté. D'après l'image, il y a un agent USGPN qui recevait un coup de croche dans la tête. Ça t'apprend la cause, il y a un pile tiré. Pour qu'on y ait, l'agent USGPN a rétabli. Dans le moment incident, on a précisé, le président de la République est en déplacé avec tout le reste du gouvernement. Le président a demandé au secteur privé, aux politiciens, aux militants politiques, intellectuels, tout le monde qui a un mandat, donc, Azek, Kazek, délégué ville, député, sénateur, pour y faire un seul, pour gommer contre la souffrance population, contre la misère, contre l'exclusion, violence et insécurité, et puis tout pour protéger la souveraineté nationale là, dans la façon de gommer. Nous croyons que c'est normal pour les citoyens de demander coup de coupe Petro Caribéa. Chef de l'État, profitez. Après le fin d'un appel citoyen, pour demander toute autorité dans l'État, ou sinon toute autorité qui est dans l'État, qui concerne la gestion de l'agent Petro Caribéa, pour yo mettre yo à la disposition de la justice. C'est un devoir moral. Dans une société démocratique, personne moun, vraiment, personne moun pas qu'à courir pour la justice. Pendant journée 17 octobre là, deux moun mouri, 11 blessés à balle, qui sept machines qui boulaient, deux lots endommagés, yon bâtiment boulé. La police arrêté 8 moun et puis gen 11 policiers qui blessés. Porte-parole PNH là, Michel-Ange Louis Jeune, qui présentait bilan ça jeudi 18 octobre là, fait qu'on est malgré difficulté joindre dans quatre diverses opérations yo t'a mené pendant journée 1. C'était une réussite pour PNH là. On suit yon bout dans déclaration dans micro Dorival Darline et Hervé Pierre. Dans le département de l'Ouest, nous avons risqué deux cas de mort par balle. Bien bonheur dans le matin et en milieu de journée, respectivement, à Delma 2 et à Paco. Et ce n'est pas forcément des cadavres nous découvrir dans Paco côté manifestants qui ont passé. 11 personnes blessées par balle. Yon dans l'Ouest, 5 dans la Tibonite et 5 dans le département du Nord. Il y a un véhicule PNH qui est incendié et au nombre de 7 véhicules PNH qui est incendié. Ça arrive particulièrement dans le Sud et côté 6 véhicules PNH, particulièrement des motocyclettes, et dérivés brûlés dans des circonstances. Et yon l'autre véhicule dans le département Sud-Est. Il y a deux véhicules PNH qui sont endommagés. Côté au tiré roche sur yo, pas brisé, crasé, recevoir coup de roche un peu partout.
Il y a deux autres véhicules particuliers qui incendient et ça arrive dans l'ouest avec dans la Tibonite. Deux véhicules particuliers. Il y a un bâtiment dans le département l'ouest qui arrive incendié. La police procédait à 8 arrestations. 3 dans l'ouest, 1 dans le sud-est, 2 dans le nord-ouest et 2 pardon, dans le département du centre. Il y a 11 policiers qui sont blessés avec coup de roche que vous recevez un peu partout. Et dans l'ouest, il y a 2 et dans le nord, il y a 9. Et il y en a un cas que nous sommes capables de rappeler, nous, c'est bien bonheur dans le matin, dans le pont rouge, côté policier USJPN, qui recevait un coup de roche dans la tête. Li. Et sous caméra la presse, tout le monde était capable de regarder comment M. Tabbeye est ensemble. Et rapidement, des dispositions de prendre pour conduire monsieur dans un centre hospitalier. Et côté, il a pris soin que cal te nécessité. Nous arrêté des montou qui tapé circuler avec des véhicules sans plaque et qui était teinté et à bord véhicule ça au mon qui était à bord véhicule ça était armé. Donc police judiciaire té procédé à arrestation yo et té fait suivi que cas té demandé. La police nationale d'Haïti té arrivé dévié et deux cas côté gen deux maquettes qui ont été ciblées ou t'a brûlé. Et que la police est arrivée dévier ça. Et direction départementale l'Ouest, plus précisément, t'a fait plusieurs arrestations. Et côté, il t'a joint des mouns à bord motocyclette. Et qui t'a gagné un gallon de gaz dans le mer, qui t'a circulé à bord motocyclette sans pas capable d'expliquer qui ça a fait avec le gallon de gaz. Et plusieurs mouns aussi qui t'a gagné des armes illégales que la police est arrivée arrêter. Regarde des moyens que nous avons à la disposition nous pour nous répondre à un événement comme ça. Donc, nous sommes capables de dire oui, nous avons réussi. Et même si il était en pile bagaille pour nous faire encore, qui pour permettre que nous portions satisfaction beaucoup plus à la population que nous appelons pour nous desservir. Après un petit campé, journal L'Union recommencé sorti en format papier. Responsable publié jeudi 11 octobre passé, il y a un nouveau numéro. Numéro 00-04, langue pour principal titre, responsabiliser l'État. Il y a un texte, directeur rédaction journal L'Un, Jacques Desrosiers, Sien. D'après responsable, journal là qui était seulement sur Internet, a dû continuer à imprimer sous papier. N'a pas rappelé journal L'Union recommencé publié sous direction Conseil Cordinal Média l'État et service public. N'a pris un coup de pause, n'a pas tourné. Dans sport, championnat national, première division hier soir, dans match en retard, 9e journée Racing Club haïtien, bat Petit Gouave 3-1. Basketball NBA, premier match, yon défaite pour le bon James dans Los Angeles Lakers, li perdu la Caille Portland 128-119. Comité prix découvert RFI a lancé un tweet lundi 15 octobre là pour saluer manifestation intérêt qui fait bon côté compatriotes nous yo pour promotion Géraldo dans concours Haïti Noué. Merci pour belle leçon, solidarité ça, l'union fait la force. C'était contenu message organisateur adressé à PIA. Passez rendez-vous 8 novembre, date qui prévoit pour Mme Jiri au bail verdict. Jean-Gérard Junior, c'est un nouveau finaliste, 38e édition concours SILA, qui besoin vote en ligne pour remporter première place. Processus vote à durer jusqu'à 25 octobre. Lycée auteur plusieurs titres, tant que précaution. Pas compas, ref pam, ak musique moins Raymond. Li chante à Kuchel, majorité moun konnol comme champion Digicel Star 2019 ak champion Digicel Star 2016. Et c'est là que nous mettons en bout à journal 1. Rendez-vous semaine prochaine. Bye bye tout le monde.